Merci à Couffrand, milieu de terrain, ils vont pas dans la boîte. Oui. Avec les clés, tout ça. Très positif, c'est que un, on est encore en vie parce qu'on est à 2-1, parce que Thomas il en sort quelques-unes, parce qu'ils n'ont pas réussi si tu as trop tôt. Ça veut dire que c'est pour nous aujourd'hui les gars. Ça veut dire qu'aussi, on a de la place sur les comptes. Donc ne baissez pas la tête, gardez l'intensité qu'on est en train de mettre, gardez cette volonté de travailler ensemble dans la récupération. Les garçons, ce qu'il faut penser, c'est positif, c'est qu'on est encore en vie. On a la réussite avec nous. Ce troisième but, là, ce quatrième but qui va arriver là, il est important. Il faut qu'il soit pour nous. Il faut qu'on revienne à 2-2. Et si on revient à 2-2, il y aura la place derrière. Il y aura la place derrière pour mettre le troisième. Hugo, comment s'est passé ce match sur le plan collectif? Quelle analyse tu peux y apporter? Je dirais qu'on a été solide collectivement. Ensuite, on avait une très belle équipe d'Auxerre en face, avec des bons joueurs d'individualité. Donc on était obligé de serrer les bras pour réussir à obtenir un résultat. Qu'est-ce qu'il a manqué pour emporter ce match sur la fin? Pas grand-chose. Pas grand chose, des petits détails, la finition, mais bon, on l'a montré sur Couffrand qu'on trouvait être dangereux.
Et ensuite, après, bon, Enani, deux buts. Voilà.